Charlotte Gainsbourg est actuellement en vacances à New York avec ses filles Alice et Joe Attal. Elle a partagé une adorable photo des deux sœurs sur son compte Instagram, ce mardi. Il y a près de 10 ans, Charlotte Gainsbourg prenait la décision de quitter Paris pour s'installer à New York, après la mort brutale de sa demi-sœur Kate Barry. Cette dernière avait pour rappel chuté du balcon du nouvel appartement qu'elle occupait dans le 16e arrondissement de Paris. L'actrice s'en était voulu d'avoir abandonné sa mère Jane Birkin qui nous a récemment quittés. Je vivais avec en moi une grande culpabilité d'être parti là-bas alors qu'on venait de perdre ma sœur, donc sa fille. Confiait-elle à nos confrères de Marie-Claire en mars dernier. Elle est depuis retournée vivre en France où elle a retrouvé son compagnon de longue date Yvan Attal, avec qui elle va peut-être se marier. Mais ce mardi, elle était de retour dans la Big Apple avec ses filles Alice et Joe, à l'occasion des vacances de la Toussaint. Elle a partagé une belle photo en noir et blanc des deux sœurs sur son compte Instagram en story. L'aînée porterait un sac qui laisse croire qu'elles ont peut-être profité toutes ensemble d'une sortie shopping. Les garçons de la famille, à savoir Ben et Yvan, semblaient quant à eux absents. Notons qu'elles ont dû s'envoler pour les États-Unis dans les dernières heures seulement, puisque Charlotte Gainsbourg était encore en France samedi dernier. Elle avait participé à Lyon à la projection de son documentaire Jane par Charlotte, dans lequel elle se confie sur la relation qu'elle avait avec sa célèbre mère. Une œuvre qui avait été nommée au César 2023, dans la catégorie du meilleur film documentaire. S'y est-il d'ailleurs toute la famille qui s'était rendue à la cérémonie. Elle avait également été sélectionnée au Festival de Cannes 2021. Elle me manque tellement que je ne formule encore rien. Je n'ai pas encore osé imaginer ce que ce film signifiera à mes yeux dans le futur, a déclaré Charlotte Gainsbourg ce samedi. L'actrice semble donc encore très marquée par la disparition de sa maman. Elle s'était pour rappel exprimée pour la première fois depuis le drame via un communiqué qu'elle avait rédigé avec sa sœur Lou Doyon. Un clan soudé. Thank you.